devient robot géant. Oh Bioman, fais-nous devenir très grands. Bioman, te voilà, les portes avec toi. Tu feras la loi, Bioman, tu vaincras. Bioman, te voilà. La bataille des planètes. Le groupe d'intervention G. Princesse, Allumette, Tipo, Marc, Thierry. Le quartier général sous-marin Neptune, supervisé par un ordinateur de la 7e génération, 7 Zark 7. Il veille et il prévient dès que les galaxies ennemies esquissent une attaque contre la nôtre. La Force G, ce sont ces cinq jeunes hyper doués qui protègent les planètes de notre galaxie. Toujours ensemble, unis comme les cinq doigts de la main. Incorruptibles, inséparables, invincibles. Siècle. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le Cyclope et ainsi sauvé Télémaque, Thémis et Noumaïos que les dieux de l'Olympe imaginèrent cette terrible vengeance. Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni. Tu erreras désormais dans un monde inconnu. Jusqu'au royaume d'Hadès, vos corps resteront inertes. Ulysse, le chemin de la terre est effacé de ma mémoire. Vivant, vous êtes vivant.
prince de l'espace, viens vite, viens nous aider, viens défendre notre terre, elle est en danger. L'ennemi héréditaire veut nous écraser. L'avenir du genre humain, tu l'as dans tes mains. Viens défendre notre terre de justice et d'amour. Toi, le chevalier solitaire, nous t'appelons au secours. Nous voulons sauver la liberté de notre planète. C'est la seule vérité. Au fin fond de l'univers, à des années et des années-lumière de la Terre, veille celui que le gouvernement intersidéral appelle quand il n'est plus capable de trouver une solution à ses problèmes, quand il ne reste plus aucun espoir, le capitaine Flamme. De notre voie lactée, mais tu la traverses, capitaine Flamme. Avec sa joue balafrée, avec le plus grand des cœurs, Albator s'est embarqué sur le pont de son vaisseau, trapé dans sa cape noire. Il nous revient bien plus beau qu'il était dans nos mémoires. Voilà, voilà Albator, le capitaine corsaire. Il revient, Albator, pour les enfants de la terre. Dans l'espace infini, tu rejaillis à nouveau, le plus puissant des robots. Toi, Toltorak, prête à tous les assauts. Acarus qui te guide, à le cœur si peu l'amour, l'amour de l'humanité, qu'il va de toutes ses forces protéger. Toujours gagnant en vaincu.
S'unir à celle que porte ton père. Va, Jess, conquérant du bonheur, viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi, et l'espoir qu'un jour tout nous rendra la joie. Tes chemins sont de feu, les monstres blancs pour toi. Mais si tu ne perds pas, loin dans le fond.
Cosmo, Cosmo Cat. Cosmo, 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 Cosmo Cat. Cosmo, 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 Cosmo Cat. Je suis Adam, prince d'Eternia, défenseur du secret du château des ombres. Lui, c'est Kringer, mon tigre domestique. Mon secret, c'est de posséder une force fabuleuse depuis le jour où j'ai levé mon glaive magique en criant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Je détiens la force toute puissante. Kringer se transforme alors en tigre de combat. Et moi, je deviens Musclor, l'homme le plus fort qui ait existé jusqu'ici. Les seuls à connaître mon secret sont la sorcière, le maître d'armes et Orko. Ils m'aident tous les trois à défendre le château des ombres contre les forces du mal. Laisse les quatre frères finis au fond des mers dans la paix et la paix.